Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que certaines lettres qu'on voit écrites dans un mot ne se prononcent pas à l'oral. C'est le cas du E muet. Donc, le E qu'on va retrouver souvent en fin de mot et qu'on ne prononce pas. C'est le cas du E dans le mot revue. Donc, revue, j'ai deux E. Le premier, on va l'entendre, revu, mais le dernier à la fin, on ne l'entend pas. Il est muet. Le son qu'on va entendre, c'est le U, le dernier son à la fin. Revu. C'est la même chose pour le mot rue. Donc, le mot rue a un E à la fin, mais le E, on ne l'entend pas. Il est muet. Le dernier son qu'on va entendre à la fin du mot « rue », c'est le « u ». C'est la même chose pour le mot « il ». Donc, à la fin du mot « il », il y a un « e ». Par contre, on ne l'entend pas. Le « e » est muet. Le dernier son qu'on va entendre, c'est le « l ». « Il ». ».